C'est parti pour un nouveau vlog. Ouais, de ouf. La direction Milan. On va souffler un peu et tout ce qu'on a besoin. Regarde les nouvelles tresses. Ouais, franchement, ça te va bien. Merci. Ok. Oula. Merci. Je vous explique, je suis une forceuse. Je suis allée à Milan le mois dernier avec mes copines pour mon anniversaire surprise. Et en fait, c'était tellement bien, je me suis dit, il faut que j'y retourne avec Yo-Yo. Et je suis là. Il faut que j'y retourne avec lui, le spa, il était incroyable et tout, bref. Il a coupé dans mon visage. Il a coupé dans mon visage. Donc là, on va prendre une navette qui va directement à l'aéroport, donc c'est trop cool. Pour les BD 100 balles, les Uber, frère. Ouais. Bon, on se retrouve là-bas. Voilà. Allez. On vient d'arriver à l'aéroport. Océane, c'est comment? Hein? Un pognon. Pas coupé. Ça va, je suis trop contente. Je suis trop heureuse vraiment d'aller à Milan. Le spa, vraiment, c'est ça qui me tient le pouce. On va bien se reposer, bien profiter. Moi, je vais juste pour dormir hein, dans la pièce. Dans la pièce truc là. La des siestes. Ah, c'est que ça, que dormir, toi, de toute façon. Et manger. Et voilà, et manger. Notre coach, il a dit oui. Oui, il a dit oui. Les gars, on vient d'arriver dans la salle d'embarquement. Les aventures des Océanes commencent maintenant. C'est la grève et genre. Le vol, tous les vols sont retardés. Il est retardé. On devait avoir le vol à 18h20 et finalement on l'a à 19h10. C'est ce qu'ils disent, mais après. C'est ce qu'ils disent, mais. Ah. Donc là on attend, on a pris des petits trucs à manger, des petits trucs à boire. Ça, elle mange déjà. Non, mais j'ai vraiment trop faim. Le voyage il n'a même pas commencé. En plus on était à la salle ce matin. Ouais, c'est vrai. On était à la salle, on s'est tellement donné. Ouais. Ce midi, on a mangé quoi? On a mangé une soupe avec de l'escalope. Wesh. Ça veut dire que, vas-y, on a mangé vraiment en fast. Soupe poulet. Et donc voilà, c'est pour ça là, on a la dalle. Mais bon, patiente. Puis, ce soir, voilà. McDo. Pendant le séjour, on va aller à la salle, hein. Faut pas déconner. Non, ça doit être ça. Ouais. C'est ça que je me permets. Il s'agit de rester focus quand même. Là, vous voyez, là, on part 3 jours. Le coach nous a dit qu'on pouvait manger ce qu'on voulait, etc. Et après, au retour, on allait repasser sur... Une semaine sans féculents. Sans féculents. Ça, par contre, ça va être chiant. Donc voilà. Après, là, on le faisait déjà. De lundi à aujourd'hui, là, on le faisait déjà. Parce que là, on est jeudi. C'est déjà très, très dur. Là, on va pouvoir manger ce qu'on veut. Ça va être bien. Mais bon, on va pas lâcher... comment on dit? On va pas lâcher trop le pied. Oui. Comment on dit? T'inquiète, ils sont prêts. Vous avez compris. On va doser. Mais on va se faire plaisir quand même. Voilà. Du coup, il est 19h16. On devait décoller à 18h20. Heureusement, ce soir, on a... À l'attention des PNC, les portes sont fermées. On peut parler. Il y avait énormément de retard, donc là... Ah non, mais une heure. Ouais, une heure. Bah oui, une heure, un moment de retard. Non, mais il y en a, c'est genre 3-4 heures. Là. Ouais, ça va. C'est quand même. Du coup, on n'a rien de prévu ce soir. Donc, on s'en fout un peu. C'est carré. Ouais. Si par contre, demain, parce que demain, c'est la journée spa. Si demain, c'était ça, j'allais crier. Ouais, mais. Comme je suis bien organisée. On va voir ça, parce que c'était pas comme ça au Sénégal. Il faut leur dire ce que t'as fait au Sénégal. Elle s'est trompée dans les dates des billets. Oui, oui. Enfin bref, non mais c'est bien, t'as appris de tes erreurs. Et c'est quoi, toi, la prochaine fois on va faire un week-end à Boulogne-Billancourt. Mais c'est très bien. Ça va être autre chose. Boulogne, c'est très bien. Méchant type. Bon les gars, regardez comment je suis... Mes genoux, ils touchent le... Même moi presque. Le truc, wesh. Toi, ça va, il y a de la marge. Non mais déjà... Regardez la menthe, wesh. Ça touche même pas, wesh. Je vais trop travailler, t'es archi grande là. Mais, excusez-moi. Faut me dire en commentaire si vous la grise à être prêt. Regardez, c'est moi. Merci. Mais de la crème, mec. Arrête, c'est parce que je suis à l'eau-toilette et j'ai lavé mes mains. J'ai pas de crème dans mon sac. Parce que je pouvais flemme et au contrôle, ils allaient dire. Un grand sac comme ça pour pas avoir de crème dedans. Les liquides. Ah oui, c'est vrai, les liquides. Ils allaient me saouler. Enfin, on peut. Mais tu pouvais prendre une crème petit format. Ils me saoulent. Ça, je voulais dire. Dites-moi, madame, vraiment... monsieur, bonsoir. Tout l'équipage est heureux d'être dans votre. Ça, je vraiment. Tu caches ou quoi? Oui. Franchement, c'est bien parce que il a bombardé de ouf. Il a rattrapé le retard. Enfin, rattrapé. Vous avez compris. Atterri en mode. Oui, on dirait un petit chocobon.
Madame, monsieur, bienvenue à Milan, aéroport Linate. Les 20h30 en heure locale. Les gars, on vient d'arriver à Milan. Ouais. Là, on va récupérer la voiture. Récupérer la carte. Merci, merci beaucoup. Récupérer la carte. Du coup, on a réservé sur Booking. Vous savez, quand vous réservez l'hôtel, ils vous proposent de louer des voitures. Et voilà, c'était à peu près genre 80€. Et on a pris l'assurance. Ouais, donc ça nous a fait 111€, un truc comme ça. Et jeudi à dimanche. Ouais, donc là, on récupère la voiture. Et puis voilà. Et puis on va à l'hôtel. Voilà. Les gars, on a récupéré les clés de la voiture. On sait même pas c'est quelle voiture, parce qu'on a changé. On sait pas. Donc maintenant, mission. Merci. Là, on doit suivre le plan. En fait, la dernière fois que je suis venue, les gars, on a mis 20 minutes pour trouver la voiture. Donc là, je sais pas si je me souviens. On va. C'est parti. Les aventures. Là, je crois que je suis en train de dead. Là, je crois que je crois. Je crois qu'on va trouver la voiture assez rapidement. Là, on va pas se perdre. Ok, merci Dora l'exploratrice. Bon les amis, votre aventurière là, elle a cru... Mais quelque chose, on peut faire hein. On faisait la carte mais au trésor. Mais t'aimes le plan wesh. Non mais à vous. Récupérer à la vous, voiture, regardez la voiture wesh. Elle est mims. Elle est pas mal hein. Ouais elle est mims, elle est mims. Attendez, on fait un petit tour là. On fait un petit tour. Tac. Ouais pas mal hein. Pas mal. Mims. Franchement pas mal. Mims. Bah écoute, franchement, je suis fière de moi parce que là, avec les filles là, je vous dis les gars, 20 minutes sans mentir. Ah ouais? C'était trop dur. Bon. Mais c'est pas le même chemin aussi. On met les valises. Et après, et on y va! Let's go! Les gars, on va aller à l'hôtel. Et franchement, je me suis même pas prise la tête. J'ai tout réservé. Pareil que quand je suis avec mes copines, que ce soit l'hôtel, que ce soit. C'est tout. Le spa, bon, on a fait la même chose. Mais il fallait trop que je fasse avec Yohan parce que c'était incroyable. Vraiment, c'est pas mal la petite voiture, wesh. Il fallait qu'il se relaxe. Du coup, là, on va à l'hôtel. Je vais vous mettre les coordonnées. Enfin, vous êtes. Vas-y. Gros, tu parles italien, gros. Du coup, on a atterri à Milan Linate. Je sais pas si on prononce comme ça. Et l'hôtel, il est à 20 minutes en voiture. Donc, quand vous êtes ici, je vous conseille de louer une voiture. Après, ça dépend si vous allez dans le centre-ville de Milan. Mais nous, on est un peu éloigné. Enfin, éloigné. On n'est pas trop loin, mais voilà. C'est écrit en italien, je comprends rien. Du coup... Wesh, le mec, il était allongé, hein, le dernier conducteur. Il y a quoi? Donc, je vous conseille vraiment de prendre une voiture parce que les Uber ici, MDR. Voilà, c'est tout. Donc là, on va aller à l'hôtel. Laissez-moi connecter mon téléphone. On va faire le check-in. Après, on va aller manger. Je pense qu'on va sortir un McDo au calme. Et après, on rentre. Et demain, on doit aller au spa à 9h du mat. Donc ouais c'est tôt mais en fait c'est tellement bien que vous profitez toute la journée. Bref je parle beaucoup, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Il déteste quand je fais ça. Tu vois c'est ça toi ton problème. Bref kiss. Waouh, regardez l'ascenseur là. On est arrivé les gars. Donc là on va à peine arriver, rentrer dans la chambre. Regardez, après on va manger. On va les grailler parce que là. J'en peux plus, j'ai tombé dans les pommes. J'ai trop faim. J'ai trop faim. J'ai la dalle. On va bien manger. Puis les McDo italiens, comme ça, trop bien. Les gars, on est au 12e, wesh. Trop bien. Bien haut, hein. Donc voilà. Il y a écrit quoi sur la carte? Et madame, tu veux pas me répondre? 207. Je dis, c'est quoi? Il y a écrit quoi sur la carte? Elle me répond pas. Merci. Tu dormais les pinceaux. Bah normal parce que j'essaye de filmer et en même temps rouler les valises. Qui on dit pas c'est qui, ça veut rien dire. C'est qui est-ce qui. Bon, on va voir si t'as retenu la leçon depuis Los Angeles. Mais là c'est facile. Vous voyez, elle retient pas les leçons. À Los Angeles c'était pareil. Regardez. Mais ils sont fous quoi. A few minutes later. C'est une blague. Ah là 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 là. C'est une blague. Je suis trop genre toi. Hey, bienvenue dans ma chambre, attends. Pas mal la petite lumière bleue. Pas mal. Ça pas mal, bien sûr que c'est bien. Franchement, c'est gay, hein. Chuch. Le petit lit. Le petit lit, ouais, je rigole pas. Je gaze, hein. Avec un petit miroir ici, beau gosse, waouh. La petite salle de bain. Oui, ici c'est la douche. Au début, il croyait que c'était petit, mais en fait... Ici c'est la douche. Et là, vous avez les toilettes. Et là... C'est les toiles. Hé! Hey, deux toilettes! Non, c'est pour laver le fiac. Hé! Hey, non, je suis en ouf.
C'est n'importe quoi, ça c'est pour laver les pieds, wesh. C'est le fiac. Non, c'est pour laver les pieds, ça. Ah. C'est pour laver tes pieds, et là c'est les toilettes. C'est les... Laisse les valises, on va manger, et vas-y, on se reprend bon, après, parce merci. Que là j'ai trop la dalle. Donc, on y va. Bisous. Bisous. T'as dit quoi? Tu vas m'indiquer. Ok. Je suis un peu nulle hein, pour ça. Hein. Merci. Tu veux garder ici? Ouais, t'inquiète. Vas-y, t'es bon, t'es bon. Toi, t'es un pilote, hein. Du coup, on arrive au McDo. Voilà, voilà. Ouais, je suis pilote, oui. Yann, il voulait que je vous montre regardez, comment il s'est bien garé. Regardez, regardez. Entre les deux lignes jaunes. Oui. Regarde, c'est lui, c'est mal garé. Merci. Mais regardez. D'accord. Bon, les gars, on est parti se chercher du McDo. On a pris une box. Tu peux appuyer sur ma tête parce que je suis pas focus. Regarde. Tu veux que j'appuie sur ta tête? Bon, les gars, on a pris une petite box qui s'appelle Tasty Basket. Vas-y, Océane, elle va nous faire la présentation de... Alors, je connais. Ça, c'est des beignets. Merci. Des beignets de tomates mozza. Trop, trop bon. La dame, elle, quand il y a la nourriture, faut plus lui parler, faut plus lui adresser la parole. Bref. À l'intérieur, il y a quoi? Il y a des petits poulets, des petits beignets comme ça. Je crois qu'il y a de la tomate, la mozza dedans. Il y a des petites nuggets. Donc voilà, c'était même pas, c'était 12 euros, je crois. Et puis voilà, hein. Moi j'ai fait mon petit assortiment. Mais j'ai trop la rage, ils ont pas mis bœuf. Et puis voilà, on va manger. Après, je pense qu'on va se reposer parce qu'on est KO de ouf. Et de toute façon, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ça bouge pas. Restez branchés. Salut. Franchement, toi, t'es ingrate. Hein. T'es ingrate. Mais bon, je suis ingrate. Dis-leur un salut. Ah, vous m'avez amené ici. On quitte là-bas. Salut, les amis. J'espère que vous allez bien. Nous, on vient de se réveiller. Donc, là, on va prendre un petit déjeuner. Et ensuite, go au spa. Bon les gars, on a pris un petit déjeuner rapide. Je suis pressé là. Donc là, on a pris des fruits, des petits trucs, histoire d'avoir quelque chose dans le ventre. Ouais. Donc voilà, on va manger et puis après direction le spa. Bon les gars, on a super bien mangé. Là, direction le spa. Donc on arrive à 8h59. En fait, faut vraiment venir à l'heure parce que c'est par... En fait, quand vous réservez, faut dire l'heure à laquelle vous arrivez. Il faut pas arriver en retard. Sinon, ils vous refusent l'accès parce que c'est par heure. Bref, trop bien. J'ai trop trop hâte. Parce que là, j'ai besoin de me reposer. Là, j'ai besoin. Hein, j'ai besoin. Bon, les gars, on vient d'arriver sur Milan. On est déjà à Milan. Ouais. Non, mais genre dans le centre-ville, vous avez capté. D'ailleurs, j'ai mis les petites lunettes. T'as capté Prada Milano, hein, histoire d'être un peu dans le thème. Donc, je vous emmène avec nous, mais on va pas tout filmer hein, parce qu'il s'agit de se détendre aussi, il s'agit de doser aussi doucement et ouais, doucement le vlog aussi et voilà, bisous. Nous sommes arrivés au spa. Donc là on s'est changé, on s'est mis en peignoir. Donc là, direction l'ESPA. Ah donc, on va pas trop filmer, hein. On va déconner, pour qu'on se repose. Donc là, je vous explique. Comme elle est déjà venue, elle fait la présentatrice. Carré, elle connaît déjà la zone. Je t'ai fait la visite parce que je voulais absolument que tu viennes avec moi. Donc ton truc, il marche pas trop. Hein. Ça. Merci. On dirait que c'est mon spa. C'est tout calme. Et en fait, c'est des matelas d'eau. Regarde. Attends, je vais mettre le flash parce que tu vois. C'est des matelas d'eau. Ah ouais. Et tu t'allonges. Ils mettent une petite musique d'ambiance. Ils mettent des trucs en haut, tu dors.
Et puis ici, tu dors, quoi. C'est ça. Mais c'est pas la meilleure salle pour dormir. Attendez, on y va. Et tu vois là, le bruit de la tempête, pluie et tout, c'est trop beau. Je vais dormir. Viens, c'est pas fini. Donc en haut, on va pas monter, mais il y a des gros matelas d'eau si vous voulez dormir. Ici, t'as des matelas aussi. Ici et ici. Et ici, t'actionnes. Apparemment, la lumière rouge, c'est bien pour le corps. Donc t'appuies ici. Et tu t'allonges. Ah ouais. Ça se déjà en fait ici, j'ai capté. Ouais, c'est trop trop bien. J'ai capté. Ouais, un petit thé si tu veux, tu vois. C'est ici qu'on va manger le midi, genre. Okay. T'as ici et t'as de l'autre côté, donc on va aller. Après, t'as les terres dehors. Là. Je trouve que l'eau, ça fait bien. L'eau, elle est bien chaude. Il y a du soleil et il y a ici. Ça me plaît, on dirait mon spa. Je te jure. Ici aussi. Mais bon, là, le soleil vient pas. Donc, mais l'eau, elle est chaude. Bref, les gars, le spa, il est tellement bien. Je voulais vraiment que Yohan le voie de ses propres yeux. Parce que quand j'expliquais, il voyait pas. Il se disait, ouais, c'est bien et tout. Mais là, comme il a vu, trop bien. Et je pense qu'il en avait besoin. Donc, trop, trop bien. Je suis trop contente. Donc là, on va poser la caméra. On va profiter. C'était juste pour vous montrer un peu comment était le spa. Mais ouais, là, on va profiter. On va poser nos téléphones et se reposer toute la journée. Parce que... Du coup, on peut rentrer à l'heure qu'on veut. C'est jusqu'au soir. Je crois que c'est jusqu'à minuit, si je dis pas de bêtises. Mais on va pas rester jusqu'à minuit. Mais genre, on peut passer toute la journée ici. On a le déjeuner. On a un massage à 11h30. Et on a l'apéritivo. C'est une sorte de goûter apéritif à 16h30, 17h. Et voilà. Le massage était incroyable, les gars. C'était trop bien. C'était que 25 minutes, mais c'était parfait. C'était genre. Suffisant. On a fait le dos. Ouais, 25 minutes, intensive. Et franchement, top. Ouais. Et elle m'a donné ça en cadeau. Genre, c'est un truc. Voilà, c'est travel. Il y a des crèmes et tout. Je sais pas ce que c'est. Du coup, là, il est midi. On doit aller déjeuner à 12h30. On va patienter un peu dans la salle où on peut faire des siestes. Après, parce que je pense que cette salle, on va l'appeler la salle Océane. Parce que ouais, ça, c'est vraiment la salle vraiment où elle peut vraiment se déjà vraiment la dormir. La salle qui me correspond, wesh. Elle aime trop dormir, wesh. C'est trop, wesh. Bon, du coup, c'est l'heure de manger. T'es content? Très, très content. T'as pris quoi? Dis-nous ce que t'as pris. Alors, ce que j'ai pris du jambon italien avec mozzarella, vous connaissez. Moi, j'adore ça. Avec des tomates, de la salade. Là, j'ai pris un truc, je crois que ça ressemble un peu au fromage de chèvre. Ouais. Un truc comme ça. Du parmesan. Bah, ici, ils le mangent comme ça, wesh. Directement. J'ai pris un peu de jambon. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Là, tu testes. Ouais. Et le pain, voilà. Du pain. Et j'ai pris un peu de viande sur le côté. Et puis voilà. Ok, moi aussi, salade. Jambon. Je suis stressée parce que j'ai faim. Les chèvres. Ça va pas. Bon appétit. Merci à toi aussi. Votre pote, vraiment, il s'est déjà. C'est bon? On a tout tapé, on a même tapé les dessins, on a même pas filmé. Moi, c'était bon et healthy. Ouais, deux. Genre, on s'est pas. On n'a pas débordé. On a pris une petite salade avec des petits trucs sur le côté. Avec un verre d'eau. Voilà. Là, on va les réserver. Les bulles là pour dormir. Après, on retourne dans l'eau. Moi, je veux que ça. Océane, hein. C'est que dormir. Oui. Elle, si elle dort pas, c'est le voyage, elle est pas bien. Oui, bah oui. Et ici, il y a que Milan qui me comprend. Parce qu'elles ont installé des trucs pour dormir. Ouais. Ah. Bref, à tout à l'heure. Allez. Bon, l'équipe, je vous explique. Après manger, on est parti dans la salle pour aller dormir. Il m'a fané, mais il faut voir comment il a dormi. C'était incroyable. Hey, j'ai dormi. Une chaleur. C'était tellement chaud. Mais genre, moi, je suis restée en maillot de bain. On a dormi sur des matelas archi confortables. C'était des matelas à eau, non?
Ouais, français, ils ont grave épais. Ouais. Non, c'est pas haut. Haut, c'est en haut. Okay. On n'est pas allé. Okay. Bref, c'était archi confortable. On a dormi pendant une heure, je crois. Ouais, une heure et demie. Une heure et demie. Une heure et demie. Il y avait des petits bruits de pluie, d'orage à l'intérieur de la salle. Ça faisait une petite ambiance de. Tu vois, t'as capté? De ouf. Donc franchement c'était trop tu bien. Vois, quand je te disais tu me venais là. Hein. Après on est parti dehors. On est parti dehors prendre un petit bain de soleil dans la piscine. Avec jacuzzi dehors et tout. Franchement c'était trop bien. Et là on a l'apéritivo, c'est une sorte de petit goûter. De toute façon on va vous montrer. Ouais. Mais là franchement il est 16h30 et on dirait même pas qu'on est là depuis une heure. De ouf. Si vous venez, franchement, c'est dans le matin. Ouais, parce que là, l'après-midi, il y a beaucoup plus de monde que ce matin. Bon, fais-nous la présentation. Alors, je vais faire la visite. L'apéritivo. Donc là, vous avez je crois que c'est du jambon séché, si je dis pas de bêtises. Là, vous avez des petits pains focaccia. Je sais pas si on dit focaccia ou focaccia. Je sais pas. Là, c'est fourré à la mozzarella et à la tomate. Et ça, c'est des natures. Là, vous avez des olives. Là, vous avez des raisins. Là, vous avez du parmesan parce qu'ils aiment bien manger ça comme ça, mais faut pas déconner, rappelez-moi ça. En fait, c'est. Non, je. Mais eux, ils mangent ça comme ça. Et là, vous avez des chips. Et on s'est fait des petits cocktails. Et c'est quoi ton cocktail? Il y a quoi dans ton cocktail? Moi, j'ai de la menthe. Après, la petite purée, je sais pas ce que c'est. Et du. C'est quoi? C'est quoi le. Moi je sais même pas ce que j'ai mis dans mon verre. Franchement honnêtement je sais pas. J'ai goûté, ça avait l'air bon. Et puis j'ai mis ça et puis j'ai acheté de la menthe pour faire la meuf. Voilà. Donc on va déguster ça. Et puis après on va retourner se détendre encore une fois. Parce que oui, c'est ouvert jusqu'à minuit. On va renta. On va renta. Parce que franchement, c'est pas 10 euros quoi. Voilà. Merci. Merci. Les gars, c'est terminé. C'est fini. C'était trop bien. On a bien profité. On s'est bien reposé, bien relaxé. Ouais. Ah, j'ai kiffé. C'était trop bien. Franchement, là, je suis détendu. Là, on va rentrer à l'hôtel, on va se préparer un peu. Après, on va au restaurant. Après, on va manger. On va voir ce qu'on fait en fait. On ne sait pas encore. Donc, voilà. Désolé, on a quitté le vlog vraiment d'une manière, on est trop KO. Ouais, aucun peps. Vraiment, on est éteint. C'était trop bien. On a trop bien dormi. Si vous venez à Milan, il faut venir dans ce spa. Voilà, ouais. Kiss. Bon, l'équipe, on est de retour à l'hôtel. Franchement, on a passé une super journée. Donc là, on s'est apprêté pour aller manger dans un petit resto. Qui s'appelle ? Dans le centre-ville, je crois. Si tu reconnais. Osteria da Fortunata. Da Fortunata. Donc, c'est un resto où ils font des pâtes à la main et tout. Donc, on a vu ça sur TikTok, donc on va tester. Des pâtes faites maison. Voilà, des pâtes faites maison. Oui, des pâtes faites à la main, genre... Oui, faites maison. Ouais, vous avez capté. Waouh. Regardez leur outfit. Regardez leur outfit. Monte ta outfit. Bah, noir et blanc, simple. La petite paire, ouais, de panda, ouais, petit pantalon, petit sac diesel. Waouh, pow. Ah là, la nouvelle coupe de cheveux et tout. Franchement, t'es belle, hein? Merci, toi aussi t'es beau. Attendez, je vous montre. Qui, moi? Non, tu connais, moi, léger, moi. T'es toujours frais. Moi, léger, moi, tu connais. T'es toujours frais. Simple. Mais il est déjà pris. Merci beaucoup. Simple, petite converse, y'a rien. Voilà, y'a mon véhicule, tu connais. T'as dit quoi? C'est mon véhicule. C'est mon véhicule, wesh. Oh. Ah, je crois que je les ai oubliés là-bas. Ouais, ça doit être ça, ouais. Je vous montre mon petit make-up. Je me suis fait un petit make-up simple. J'aime trop. Bref, là, on va aller manger des pâtes. Ça, c'est la danse de la joie quand on va manger. Voilà. Bisous.
Alors là, on va faire la visite de Milan. Tu recommences, tu recommences. Bon, regardez c'est Milan de... C'est de, comme de, une architecture italienne. Ça m'énerve. Mais c'est mignon, hein. Franchement, c'est beau la nuit, hein. Ouais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Pour ceux qui nous demandent pour le racisme, oui. On n'a rien. Bah pour l'instant, rien. Après, nada. Je pense que c'est la ville aussi. Parce qu'on m'a dit que Rome, par exemple, ça n'avait rien à voir. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est la ville. Mais à Milan, en tout cas, top. Franchement, pour le moment. Ils sont gentils, les gens. Ouais. Donc, rien. Arrête. J'ai une tête de gentil, ouais. Je regardais avec mes lunettes. Si, ça doit être ça. Regardez mes lunettes. Vas-y, arrête. C'est vrai que j'ai une tête de gentil, là. Moi aussi, j'ai une tête de gentil. T'es moi, ma tête ronde, on dirait un BN, wesh. La lumière là. Mais on arrête les gens comme ça juste pour faire ça? Ouais. Oui, j'ai oublié de vous dire l'équipe. Vous savez, au spa, Océane s'est fait voler deux fois son peignoir. Et sa serviette. Ça veut dire qu'elle était obligée de marcher jusqu'à l'accueil. Ouais, tatou naine. Vraiment nue. Les fesses dehors. Non, mais je lui ai donné ma serviette. Et on est parti. Enfin, je suis parti. Franchement, j'espère que c'est filmé. Franchement. Non, c'est pas filmé parce que c'était derrière moi. Mais excuse-moi, on marche, t'as l'adresse? Oui, c'est là-bas. Je connais, wesh, c'est chez moi ici. MDR, c'est déjà venu, wesh. Ah, mais je connais, c'est là-bas, à gauche. Ok. J'espère qu'il n'y aura pas trop de cœur parce que moi j'ai la dalle. Tu vois, tellement tu disais des bêtises, t'allais tomber. Tu vois? C'est oh là ça? Là. J'ai trop faim. Bon, allez, c'est mon coupe la caméra. On coupe. Les gars, regardez la queue, s'il vous plaît. Regardez. Regardez la queue. Hey, d'enfant. T'es pressé? Ouais. Regardez. Attendez, je suis. On va bien manger, on va bien se régaler. Et, ouais. Et voilà. C'est trop bien de voir les femmes faire les pâtes là. Ouais. J'aime trop le concept, genre. Et puis, ça bien, hein. Devant, ouais, devant tout. Et puis c'est rapide. Moi j'aurais fait des big bapates, on aurait fait des lasagnes, vas-y, n'importe quoi. Trop bien. Bon, on se retrouve après à l'intérieur. Ouais. Si on rentre parce qu'il y a de la queue. Ouais. Oblige. On va goûter ça, hein. Vas-y, goûte. Tu goûtes, après tu me dis. Tu dis la vérité, hein. Et toi, tu crois trop que tu es best, wesh. Après, je suis pas trop fan du café. Je crois qu'il y a un peu de café. Bah, le tiramisu de base, c'est avec du café. Mais... C'est doux ou pas, genre? En bouche. Ok, nickel. Let's go manger. C'est trop bon. Coucou les kids. Salut les kids. Donc là, nous allons à... Il faut que tu utilises la ville parce que je sais pas. Merci, je sais pas c'est quoi la ville, c'est madame. C'est un des plus grands outlets... D'Europe. D'Europe. C'est le plus grand, je crois. Je crois que c'est le plus grand. Je sais plus comment... Je vais vous l'écrire. C'est Ravalmé, je crois. Ça s'appelle comme ça. Ah, très bien. Si c'est pas ça, merci. Merci beaucoup. Du coup, c'est à 1h de Milan, donc là, on a pris la voiture. Et on est en route et on va vous montrer dès qu'on arrive. Voilà, voilà, bisous. Bon les gars, on vient d'arriver au Serravalle Outlet. Tout à l'heure, t'as pas dit ça. Non mais je viens de me souvenir du nom. Serravalle Outlet, donc là il y a plein de boutiques de luxe et regardez tout. Là-bas, Gucci, il est où? Il est où? Là-bas. Gucci, Burberry, Victoria's Secret, bref. Il y a plein de trucs. Donc, on va faire un petit tour pour voir si on trouve quelques petites pépites. J'espère. Et puis. Faut pas déconner voilà. Des pépites à 2000 euros. Ouais, ça va être dosé aussi, doucement. Donc voilà. Montre ce que t'as pris. Je vous ai fait une petite danse, wesh. Alors j'ai pris trois brumes. Enfin, c'est Yohan qui m'a pris. J'ai pris Amber Romance.
Une pure séduction, donc ça je vais mettre avant de dormir. Night Bloom, ça aussi avant de dormir. N'importe quoi. Trop bien. Alors on achète quoi d'autre? Tu achètes quoi d'autre? Non mais déjà là on va aller à Nike. Déjà on va aller à Nike. Ouais d'accord. On va voir c'est quoi le délire. Okay. Et puis après on verra. Ok? Oui. Wesh il fait beau hein. Wesh t'es fraîche hein. Wesh. Attends là je peux faire une photo là. Wesh wesh wesh. Pas mal hein. Ça hein. Non, 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 madame. Ah. Tu vois, c'est ça ton problème. Regardez, il fait quoi? Regardez. Regardez, regardez, regardez. Regarde. Alors, je vous explique le plus souvent, Yoann, quand on arrive chez Nike, ça part en carnage. À Los Angeles, t'avais fait la même chose? Non. Ouais, je vais rien acheter. En vrai, je suis en mode tranquille. Ah ouais? Là, j'ai rien besoin. Là, c'est juste du repérage. Genre, juste, je regarde. Ah. Après, s'il y a un truc qui me plaît, je le prends. Mais si, il n'y a rien, il n'y a rien. Okay. Je ne vais pas me forcer à prendre quelque chose. Bon, je vous dirai s'il a pris des trucs. Alors, les gars, on n'a même pas fait 2 secondes. Mais regardez, c'est un short noir, c'est basique. Wesh. Et oh, donc... le gris. Mais t'en as déjà, le gris, tu l'as déjà vrai, à la maison. Déjà. Ah, vous voyez? Moi, je suis fatiguée. Oh, j'aime trop cette paire. Genre, j'aime beaucoup, genre. Oh là là, mais elle est que 45, wesh. Tu vois, tu commences, arrête, tu dis, tu vois. Alors, Yoann? Oui. Le bug, il est reparti avec une paire. Non, mais regardez, la un paire. Un short. La paire, elle coûte 44 euros. Elle est obligé trop de belle. La prendre. Non, elle est trop belle, elle est trop belle. Elle va trop avec bien. Un short et un t-shirt, ça m'a fait 70 euros. Ouais. Non, franchement, ça va. Bonne t'as affaire. Fait, t'as fait une bonne, bonne affaire. Affaire. Bon, on va continuer. Moi j'ai trouvé un Bombers Nike, mais je sais pas si je le prends, j'attends de voir le reste des magasins et après on verra. Bon, Yoann il avait vu cette sacoche de base, mais tu disais qu'elle était trop... Ouais, elle est trop grosse. Elle est trop grosse finalement. Elle est à combien au lieu de combien? 450 au lieu de 1000 et quelques. 450 au lieu de 1000 et quelques. Et même sur le sac de voyage, au final on avait vu 600 et quelques au lieu de 1500 je crois. Mais vas-y, il est trop trop gros. Même si c'est un sac de voyage, faut pas déconner. J'hésite parce qu'en vrai il est trop gros. Ouais. Je crois que je vais prendre celui-là. De toute façon, il est pas mal, hein. Ouais. Est-ce que tu vas caler un petit outfit avec? Bah oui, quand je vais sortir et tout. Il est à combien? 575, je crois, au lieu de 820. Oh là là, elle est trop belle. D'ailleurs, regardez les gars, il m'a pris le sac Gucci, Yoann. Donc je m'y attendais archi pas. Moi, je voulais prendre et en fait, il me l'a ouvert. Il est trop trop bien. Et là, il est en train d'essayer les vestes off-white. Bon, elle parlait de moi, mais regardez, elle est revenue chez Nike pour non, juste prendre cette veste. Le Bombers, il est incroyable. C'est vrai qu'elle est belle, la veste. Elle est trop belle, ouais. Trop belle. Je suis obligée. Donc du coup, je la prends. Et en plus, elle est à 92 au lieu de 134. Pas mal. Ouais. Là. Oh là là. Tu... En plus, Yoann, il m'a acheté un sac. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. L'Italie, c'est trop bien. Bon, l'équipe, nous sommes rentrés à l'hôtel. On a déposé les sacs parce qu'on va ressortir pour aller dans le centre de Milan, faire un peu de visite, etc. Du coup, pour l'outlet, franchement, nous, on a trouvé qu'il valait le coup parce qu'on a trouvé des pièces qui nous plaisaient. Donc ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Et au niveau des réductions, ça dépend des produits. Mais franchement, on a trouvé des belles pépites. Par exemple, mon sac Gucci que je vous ai montré, genre, il était à 575 au lieu de 820. Du coup, bah, franchement, bénef. Donc après ça dépend de votre budget, ça dépend des pièces que vous voulez, etc. Mais nous on a kiffé, donc c'était à 1 heure de Milan. On a mis 1 heure de route. Voilà. Là, zéro va... soutien pendant la conduite, hein. T'as dormi aller et retour. Donc dis pas 1 heure c'est rien, je sais pas quoi, truc, parce que t'as pas vu les 1 heure de trajet, t'as dormi. Voilà. On dit la vérité. Et puis t'as dormi bouche ouverte, ronflement. Ah, on dort comme ça? J'étais fatiguée. Je veux faire du shopping, ça fatigue. On se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon les gars, on vient d'arriver sur la place Duomo. Ouais, je crois. Et bref, ouais. Nous on n'est pas trop au truc. Hein. Voilà. Pour nous laisser. C'est la place un peu touristique quand vous venez ici à Milan. C'est la cathédrale en gros. Donc voici la cathédrale. Ouais, elle est grande, hein. Waouh. Grave. Il y a du monde aussi, hein. Regardez, j'ai mis mon Bombers. Oh, j'ai fermé parce qu'il fait un peu fusqué. Merci. 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 Incroyable la cathédrale, ouais. Elle est trop belle. Elle est archi grande. Waouh. Et là-bas, il y a les galeries, c'est ça? C'est ça. Il y a des magasins. Voilà. Voilà, là, on fait un peu les touristes.
Et puis. Après ce soir, on va manger pizza. Voilà. Et après, j'aimerais bien qu'on profite de la piscine de l'hôtel. Quand même, on va essayer. Allez, bisous. Goûtez les glaces à l'italienne. Ouais. Alors, c'est la première glace à l'italienne de Johan. T'aimes bien? Mais ça, c'est pas médium, ça, ils sont fous. Moi, j'ai pris pistache, c'est trop bon. Toi, t'as pris quoi? Fraises. La base, vous connaissez mon amour pour les fraises. Ouais. Et vanille fraise. Je crois que c'est un autre truc, vanille fraise. Ah, d'accord, très bien. Plus fraise, hein. Bon appétit. Merci. Les gars, regardez ce qu'on est tombé. Purée, dès qu'il y a un truc de basket. Non, non. On y va. C'était vraiment trop le basket. Hein. Mais il a vraiment des balèzes moins qu'il veut. Merci beaucoup. Lui, ça va. Oui, elle est petite main. Oh, le genre, wesh. Je crois carrément, moi-même, je peux mettre ma main. Regardez, c'était fait le curry, wesh. Ouais, il a des ongles. Ouais. Eh, mais il a des. Wesh. Paul George, merci. Bon, là, les gars, nous allons manger dans une pizzeria qui s'appelle Gino. Sorbillo, oh là là. Je sais pas c'est quoi le nom. Yohan, mais je te l'ai déjà dit. Donc c'est parti. On va manger des vraies pizzas. C'est parti mon kiki. Oula. On est arrivé à la pizzeria, il n'y a pas grand monde, donc c'est trop bien. Parce que d'habitude il y a de la queue et tout. Donc c'est parti. C'est ça la pizza. La pizza. Merci Yohan. Merci beaucoup. Merci. Non mais la pizzeria que tu avais vue sur TikTok. Bah elle est sérieuse, j'ai mangé. Avec les filles. Voilà nos pizzas. Moi j'ai pris une pizza au jambon et Anne il a pris une pizza genre salami. Salut l'équipe. Hier on a eu un petit problème technique avec la carte mémoire. Oui, donc là, on est en train de manger. Ouais. Donc voilà, si vous avez rien vu après le petit resto, c'est normal. En tout cas, là le séjour touche à sa fin. Donc là on rentre, ouais. On va déposer la voiture. Déjà check out. Ouais. On va déposer la voiture, faire de l'essence pour la location. Ouais. Et ensuite direction l'aéroport. Ouais. En tout cas c'était trop bien. Donc, J'ai kiffé. On a kiffé le séjour, franchement c'était trop bien, on a pu se détendre, on a pu bien manger, goûter les spécialités locales. Si vous avez des questions à propos du séjour, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire parce que je sais pas si on aura répondu à tout. Exactement. En ce qui concerne les réservations, etc., la formule pour l'hôtel, je sais pas si je vais le noter ou quoi. Mm. Mais genre, si vous avez des questions, faut pas hésiter. Voilà. On va vous laisser là parce que bon, flemme de vous à l'aéroport, ouais. Enfin, on va rien faire de spécial. De ouf. Donc, à part si nous arrive des péripéties, mais je ne crois pas parce que ça va pas arriver. Donc voilà, on vous fait de gros bisous et on espère que ce vlog vous aura plu. Ouais, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et activer la cloche pour les prochaines vidéos. Et puis on vous fait de gros bisous la famille. Yes. Bisous l'équipe. J'ai fait ça au lieu de faire bisous. C'est le stress. Merci. Merci beaucoup.